Ok. Ok. On dirait qu'on progresse, non? Protocole envolé de perroquet engagé. J'imagine que c'est pas ce qu'on espérait. Je confirme. Pardon, les perroquets. Et c'est parti. C'était un bruit positif ou négatif? C'est... Fred. Xara. Coucou. Si tu vois cet enregistrement, j'imagine que le pire est arrivé et que tu as saisi le mot de passe sur le terminal principal. Si seulement ce terminal pouvait enlever à Roméo ses pouvoirs d'admin, ce serait tellement plus simple. Mais voilà, ce gantelet, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Mets ta main dans le piédestal pour recevoir le gantelet. Il a le pouvoir de rendre à Roméo son aspect normal. Il faudra peut-être plusieurs coups pour lui retirer tous ses pouvoirs. Mais c'est sûr que ça va marcher. Tu as compris? Alors bonne chance, Xara. Je crois que tu en auras besoin. Allez, j'y vais. À quoi tu joues exactement? Que se passe-t-il? On est venu vous arrêter, Roméo. Pour de bon. Je te l'ai dit, ton monde est fini! Je s'y dépêche. Quoi? Gantelet livré. Protocole hors. Voilà qui devrait s'avérer pratique. Qu'as-tu fait? C'est ça votre stratégie? Me foncer dessus! Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais j'en ai assez! J'ai dit que j'en avais assez! Je... Quoi? Oh, vous vous croyez malin, hein? Et si on finissait ça après un changement de décor? Le temple sous-marin? Merveillifique, Jesse! Tu te rappelles notre rencontre? Ah, à l'époque, je croyais encore qu'on deviendrait amis. Ce temps, ce défi, c'était mon premier cadeau pour toi. Et c'est là que je vais t'enterrer. Bientôt un cours de plateforme, Jesse. Tu n'as nulle part où aller. Servir du gantelet. Tu vas mourir, oui. C'est impossible. Personne ne m'amoindrit. Je me sens tout... impuissant. J'attends. J'espère que tu apprécies ces vieux souvenirs autant que moi. Ah.
commence à détester cette saleté de gantelet. La partie est terminée, Admin. Abandonnez. Attends. Mais ne me touche pas. Bien le bonjour, Jesse. Chuck. Bien le bonjour, Jesse. Oh, tu n'attaquerais pas ce bon vieux Jack, si? Après tout ce qu'on a traversé. Il y a juste un problème. Vous n'êtes pas Jack. Peut-être pas. Mais c'est une bonne apparence à utiliser pour te détruire. Admin, c'est fini. Tu l'as dit, Buffy. Alors, ça fait quoi de se battre à force d'égal, crevure? Laissez-moi tranquille.
Pourquoi tu rends toujours les choses si difficiles? Tout le monde t'aime, alors que tu n'es rien. Hé, hey, c'est pas nous qui essayons de dominer le monde. Quoi? Non, ce n'est pas... Je voulais juste que... Que les gens... Cette moi tient debout grâce à mes pouvoirs. Plus de pouvoir, plus de terminal. On est fichu. On va se faire enterrer si on sort pas d'ici, illico. Qu'est-ce qu'on fait de lui? On s'en fiche. C'est plus notre problème. Ben, regarde-le. Il pourra jamais sortir tout seul. Elle a raison. Laissez-moi ici. Mon pouvoir, c'était du glaçage sur un gâteau. Un gâteau vide, sans valeur. C'est ici qu'est ma place. C'est ici que je vais payer pour mes erreurs. J'arrive pas à croire que... qu'il a fallu ça pour m'ouvrir les yeux. J'ai été... si stupide, si aveugle. Vous pouvez encore arranger les choses, Roméo. Malgré ce que vous avez fait, vous êtes une personne comme les autres. Vous pouvez vous racheter. Me racheter? Tu le crois vraiment? Pas de temps à perdre, Jesse! Faut y aller! Allez-y. Laissez-moi. Je mérite de rester dans ce néant. Vous ne resterez pas là. Ce serait trop facile. Allez! Si la lave atteint ce portail avant nous, on sera coincé ici pour toujours. Allons-y alors. C'est pas passé loin. Oh, bon sang! Cette chose me suit pas encore, si? Hein? Non, je crois que c'est bon, Snim. Eh, hey, bien joué. Merci. Sincèrement, en fait, je pense que je ne mérite même pas d'être ici. Mais je sais ce qu'il faut que je fasse pour réparer mes erreurs. Je vais retourner dans l'au-dessous, essayer d'aider les gens que j'ai abandonnés, réparer les vies que j'ai gâchées. Et je vais essayer de retrouver Xara, voir s'il est possible
de recoller les morceaux. Je sais, ça ne change rien à ce que j'ai fait à Fred, mais si je peux arranger les choses avec Zara, ce sera déjà ça. Et fini les pouvoirs d'admin. Désormais, tout ce que je ferai suivra la voie normale. J'espère que je me souviendrai encore de la voie normale. Ce sera sûrement difficile au début, mais je pense qu'elle aimerait essayer de faire la paix, elle aussi. Oui, je l'espère. Elle est la seule amie qu'il me reste maintenant. T'as encore sauvé le monde, hein? T'en as pas marre, à force? Eh bien, merci de le relever. Je me suis dit qu'on pourrait intercaler un peu de sauvetage mondial avant l'heure du goûter. Content de tous vous revoir en un seul morceau. Wow, wow, wow! Est-ce que c'est l'admin? Pas de panique. Ce n'est plus l'admin. C'est Roméo. Eh bien, tant mieux. J'ai eu ma dose d'admin, merci beaucoup. J'approuve à 112%, blondinet. Mais Jesse, après tout ce qu'il a fait, tu penses qu'il mérite d'être en liberté? Et s'il s'en prend à d'autres personnes, il aurait peut-être dû rester là où il était. Je sais que c'est une ordure. Mais je l'ai vu là, et j'ai pas pu l'abandonner. Même s'il le méritait, je n'aurais pas pu me regarder en face si je l'avais laissé là-bas. T'es quelqu'un de bien, Jesse. Mais j'espère que c'était la bonne décision. Et si on rentrait tous à la maison? Ah ça, pas besoin de me le dire deux fois. Moi non plus. Ah, j'ai hâte de remettre une chemise. Jesse, j'approche de toi de ce côté. Je viens te parler. Pas de tour de ninja, de farce ou de pitrerie. Mes actes et mes intentions sont parfaitement évidents. Ouais, enfin, tu es juste là. Je te vois parfaitement. Je sais, mais j'essaie de ne plus surprendre les gens. Alors, Ninja Ivor, c'est fini? Ha! Ouais. J'ai décidé d'arrêter de vadrouiller en pyjama et de me mettre à régler quelques problèmes. À commencer par le fossé qui sépare mes potes. Pour Ellie, ce sera fastoche. Il n'y a qu'à passer à Redstonia. Aux dernières nouvelles, Gabriel jouait au guerrier errant. Soren? J'ignore où il se trouve. Mais j'ai des pistes. Oh, mais c'est génial! Ça va les mettre dans tous leurs états! Tu crois? Franchement, j'espère que ça se passera ainsi. Bon, je suppose qu'il est temps que je parte. C'était quand même amusant, non? Jesse! Jesse! Hé! Ça va, Radar? Je disais au revoir à... Faut croire que les habitudes d'un ninja ont la vie dure. J'espère que ça te dérange pas, mais j'ai plus ou moins pris en main le projet d'embellissement. Autant lui donner une apparence qui nous plaise. Je l'ai vraiment fait passer à la vitesse supérieure, si j'ose dire. C'est assez stressant, mais amusant aussi. C'est du stress amusant, quoi. Oui, tu as bien fait avancer les choses. Je suis vraiment fier de toi. Oh, wow. J'oublierai jamais cette journée. Wow. Oh. Oh. Salut, Luna. Comme Champion City est détruite... Je pensais fabriquer un nouvel abri pour Luna et l'installer ici, à Baliseville, pendant que je vous aide avec l'aluminium. Mais avant, je voulais voir si... toi, tu avais prévu de... Enfin, tu sais, prendre soin d'elle. Vu à quel point elle semble t'apprécier, si tu lui as déjà construit un abri pendant que j'étais absente, je ne voudrais pas en faire un pour rien. Si elle veut rester avec moi, ce sera un honneur de prendre soin d'elle. Je crois qu'elle appréciera vraiment. Je n'étais pas très fan de toi avant,
Mais je me soigne. J'ai hâte qu'on passe de bons moments ensemble. Bon, allez. Fichue émotion. Je tiens sincèrement à te remercier, Jesse, pour tout. Je me suis montrée détestable. Mais tu m'as quand même jugée digne d'être sauvée. Ça me donne envie, comment dire, de m'améliorer. J'espère que je pourrai déjà nettoyer ce dépotoir. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai regardé sous la surface et vu que tu n'étais pas complètement détestable. Vous disiez que Stella était détestable? Ah, salut. Je disais justement à Stella que je m'occuperais de Luna pour elle. Oh, super. Elle a l'air très contente. Oui. Et maintenant, il faut que je parte. Encore merci pour tout. Je suis sincère. Bon, t'as tout ce qu'il te faut? T'as bien vérifié ton sac deux fois? Oui, Jack. C'est très... doux amer pour moi, tu sais. Les adieux... c'est pas mon fort. C'est bien vrai, Normou. Alors je dis rien cette fois. Je veux seulement que ces deux-là sachent que... leur soutien m'a... vraiment aidé... à sortir d'une... une mauvaise passe. Et maintenant, va-t'en. Je t'ai dit que je ne faisais jamais mes adieux. Pas à ceux que je vais revoir. Compris. Allez, accompagne-moi à la porte. Alors, tu t'en vas? Pendant combien de temps? Honnêtement, sûrement un bail. Mais c'est bien cette fois. Je le fais pour moi. J'essaie de... disons... mûrir. Bref, je m'apprête à dire adieu à tout le monde et je... Dans mes bras. Je m'étais promis de pas pleurer. Promesse rompue. Allez, tout ira bien. Comme ça, Petra part vers le grand inconnu, hein? Je me disais, ça doit être passionnant. Partir fonder une nouvelle ville, découvrir des temples, des donjons, ou faire ce que les gars dans votre genre font. Petra apprécierait sûrement ta compagnie. Tu pourrais partir avec elle? J'apprécie, mais je crois qu'il est temps pour moi de me poser ici. Je viens tout juste de réunir les Oslo. Je vais peut-être écrire un nouveau bouquin. Hey, vous êtes en train de manquer un gros câlin, les gars. Ah, oh, de l'air! Vous allez m'étouffer! Dites, vous ne croyez pas que c'est la dernière fois qu'on est tous ensemble, hein? Non. Enfin... peut-être. Je sais pas. Je veux dire, si Petra part... Une minute! Ne mettez pas tous la pression. Et quand bien même, nous resterons toujours les meilleurs amis du monde. Je sais que je n'aurai jamais de meilleurs amis que vous. Bon. Je vais me sauver avant de... de mettre à... trop tard! Au revoir, les gars. Sois prudente, d'accord? Je serai très prudente. Et quand t'auras fini ton livre, il vaudrait mieux que j'y joue un rôle important. Dans la cabane de l'admin, je sais que tu as promis qu'on resterait toujours ensemble. Aucune pression. Fais comme tu le sens. Une minute. Vous partez? Ouais. Je crois que je vais voyager avec Petra pendant un moment. Ça va sûrement être génial. Ouais, ouais, c'est évident, mais... si tu n'es plus là, qui va diriger Baliseville? Le calme est revenu, mais un danger pourrait surgir à tout moment. Les gens pourraient, je sais pas moi, se révolter, par exemple. À ton avis, mon pote? Toi? Moi? Sérieusement? Ouais. Tu n'es plus stagiaire. Je te promeux... héros à résidence. Merci, chef. C'est... t'as été... tué. Ce que j'essaye de dire, c'est que... je promets de te faire honneur. C'est déjà le cas. Tu vas manquer à tout le monde, tu sais.
et vous allez tous me manquer. Mais si jamais on a besoin de moi, je ne serai pas loin. Allez, Luna. Au revoir à tous. Hé, tu pourrais quand même m'attendre. J'espérais que t'aurais envie de faire la course. C'est parti! Et voilà, j'ai fini Minecraft Story Mode. Très bien. Franchement, j'ai trouvé ce jeu excellent. Excellent. Y'a rien à dire sur ce jeu. Bon. Vous... Et 83% des petits de Roméo, il avait sauvé. Et il y en a qui l'ont tué. Putain, ils ont pas de cœur ces gens. Vous avez dirigé le groupe par empathie, protéger l'ami coûte que coûte. Ouais. Très bien. Bon, bah, y'a rien à dire sur ce jeu, vu qu'il est. Il est tout à fait excellent. Donc, j'espère en tout cas que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas quand même à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, faites ce que vous voulez. Je vous conseille de l'acheter parce qu'il y a plusieurs choix à faire. Donc, plusieurs choix différents. Vous pouvez choisir de sauver chaque compagnon qui vous voulez, quoi. Bon, donc vous décidez. Moi, j'ai fait mes choix à moi. Donc, j'ai décidé de partir avec eux au lieu de rester dans la ville. Donc voilà, du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau let's play sur un autre jeu. Bisous les amis!